Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 9 de ma campagne avec Tyrion. Alors, il y a un truc que je vais faire avant de continuer, c'est me débarrasser de ce genre de truc. J'ai pris le parti de le faire dans ma petite ville de Troyes, là, qui est ici. Je vais garder cette idée-là, je pense. Alors ici, je vais le détruire aussi. Ivresse, c'est bon. Alors j'ai des problèmes d'ordre public. Hein. Le plus embêtant, c'est sans doute ici. Alors j'y travaille un peu, mais on n'est pas encore prêt. Et alors sur les scopes est arrivée cette armée de moussillons, donc il va falloir traiter ça. Allez, je passe le tour. Je n'en reviens pas que qu'on n'ait pas la possibilité effectivement d'avoir un ordre au niveau de la province qui permette d'améliorer l'ordre public. Alors je sais pas. Alors Moussillon. Alors, je pense qu'elle a, c'est leur dernière armée en plus, hein, je pense. J'ai envoyé, je pense, Elirion sur cette armée-là. Ok, ok, ok. Donc là, il y a encore un tour à attendre. Alors là, je me remets pas facilement. Donc je vais peut-être revenir dans une de mes villes. À venir par là, tranquillement. Alors toi, on va voir ce que tu peux récupérer ici. Ok. Alors là, il y en a un ici. Donc on va... Ouais. On va passer par le Tern. Donc on a dit que ici on n'était pas prêt à bouger. Alors on va regarder ici. Écoutez, on n'a pas trop le choix. L'ordre public est tellement mauvais qu'il faut qu'on s'en occupe. Alors, ici, on va faire ça pour les mêmes raisons. Et ici. Je n'ai pas les revenus pour ça. L'ivresse est stable. Alors, ouais, c'est là où j'avais dit que je... Ben non, je peux pas. Ah ouais, de toute façon, niveau 2, non, on va le laisser comme ça. Alors, il n'y a pas d'ordre public sur les portes, là. Donc, ça, c'est un truc plutôt sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être pouvoir... J'ai pas les sous. Je n'ai pas les sous. Ok, donc. Alors, je vais peut-être pas non plus faire les murs partout, surtout à l'intérieur. Ça me chiffonne un peu. 150. Et là, c'est 200. On va faire ça. Ok. Je pense qu'on a tout fait à ce stade. Alors évidemment, en termes de diplomatie... Ah, on est peu deux. Tu peux pas... C'est bien dommage. Alors, il y a toujours ça qui m'intéresse. Mais je n'y arrive pas. Allez, je passe le tour. Franchement, si je ne peux pas récupérer les territoires des elfes par la Confédération, ce sera la guerre. Hein. Tant pis pour eux. Hein.
Alors j'ai deux quêtes en cours, il y en a une qui me demande d'insérer deux lions de crasse dans mon armée de Tyrion. Ok, je pense que là, ils se sont fait shooter. Les rattraper. Donc on va venir ici pour se refaire. Tyrion est monté. Alors, c'est là où il va falloir commencer à regarder ça de près. C'est intéressant ça. Hein. Ah! Ok, il va falloir en choisir un. Donc celui-là. L'ordre public, la vitesse, commandement et garde phoenix. Vent de magie, commandement pour les maîtres de haute, entretien moins 5. Armure plus 5, commandement plus 5 pour les princes dragons, entretien, ouais. Commandement plus 5 pour les lions blancs de crasse. Résistance physique 3%. Ah, le taux de reconstitution des victimes est quand même vachement sympa. Hein. On va regarder ça. Défense en mêlée plus 3. Garde maritime. Ouais, bof. Je crois que je vais faire ça. Allez, il fallait se décider, c'est fait. Donc, du coup, je fais quoi? Est-ce que je vais chercher ma quête? Ce qui serait peut-être pas une mauvaise idée d'ailleurs. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de danger, surtout qu'on voit que... Nagarit est en train de s'occuper de ça. Moi, j'irai certainement aussi le faire ici. Alors, Kotick, il y a toujours des problèmes d'ordre public. Donc ça, c'est une priorité. Safery, je peux rien faire pour l'instant. Là, ça bouge pas. Ivresse, c'est stable. Alors ici on pourrait faire ça. Ou alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait? Ah oui, cette branche là à 5000 pour aller chercher ensuite les maîtres et les épées. 5000, je les aurais ensuite. Ready to serve. J'aurais peut-être pu aller là-bas en fait. Hein. Ah, bon, on va y aller. Tyrion bouge, toi tu te refais, ok on est bon. Alors du coup ils ont plus... Aller par là, hein. Our great king welcomes you. You called. Your words and deeds, I cannot do this. Je vais finir par m'en emparer, hein. On va pas réfléchir trop longtemps à ça, hein. Si ça continue. The laws of chivalry demand I... Alors par contre, elle est partie où l'armée de Moussillon là? Je la vois plus. Non, ça c'est pas intéressant pour l'instant. Ici il reste un tour. Et ben, on passe le tour.
Bon, je crois qu'on va aller tout droit faire la bataille de quête. Et peut-être qu'après on montera au nord s'occuper des elfes, tant pis. Hein. Ok, je pense qu'on va assister à la fin de Moussillon dans pas longtemps. Donc si je pouvais consolider mes alliances avec eux pour l'instant, ce serait pas mal. Eh ben, on va les détruire. J'ai peut-être fait un truc que j'aurais pas dû faire d'ailleurs. Mais on en reparlera. Ok. Si c'est une tentative d'assassinat, bien sûr. Sur Alissa. Ok. Alors, où est-ce qu'il est, mon héros? Alors ça, c'est dommage. Mais on va attendre qu'il en ait fini avec eux. Ok, donc toi... Ok, donc en rouge on a Kotick. Sauf que Kotick va pas nous permettre de corriger ses problèmes d'ordre public. Donc on va faire ça. Donc là c'est devenu de nouveau positif. Et j'avais dit que j'attendrais d'avoir 5000 et je l'ai pas fait. Ok. Donc je pense qu'on va continuer ça. Mais bon, l'ordre public est quand même une priorité. Donc. La Moussillon a été détruit, ça y est. Et là-bas, il reste une armée. Je crois que c'est l'Artois effectivement qui s'est installé là-bas. Ok. On va voir si on peut faire des choses avec l'Artois. Ah oui, alors il y a un autre truc que je voudrais faire, hein, j'en ai pas parlé pour l'instant. C'est j'aimerais bien envoyer un de mes agents chez Teclis en fait. Pour essayer de. De m'en occuper quoi. Alors standing by. Donc si j'ai bien compris, il a essayé de me tuer hein. Allez, 62%, parfait. Alors ça, ce sera pour un magicien quand j'en aurai un. J'en ai pas pour l'instant. Donc là je suis bon, donc il a un coursier. Alors, relation diplomatique plus avec les OZEF. Donc ça c'est pas mal. Ouais. On va faire ça justement puisqu'on cherche à confédérer tout le monde. Donc ça c'est fait. Donc je peux pas revenir. C'est quoi ça? Qui vous êtes vous? It shall be done. Alario.
Ah ouais, des orques. Alors, c'est quoi ça? Ah bah oui, c'est mes... Ça appartenait mais... Ah mais les lions de crasse que j'ai perdu. Bon, je vais pas faire ça. Alors ça, c'est la meilleure quand même. Donc toi, t'es monté. Je vais te chercher ceci. Ok, ils sont tous là. Alors, où est-ce que j'ai le plus de problèmes d'Orthlurik? Peut-être là qu'on va aller, hein, du coup. On va faire ça. Donc, Crass. On va faire ça. Kotick. Pour l'instant, on peut rien faire, mais on va y travailler. Avalorn, ça descend aussi, sans qu'on puisse y faire grand-chose. Alors, bah du coup, on va faire ce qu'on avait dit. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Et que donc, on pourra... enfin recruter nos maîtres des épées. Ouais, donc 3000, on a de quoi changer un peu la face de nos armées, donc faudra pas qu'on hésite. Allez, je passe le tour. J'aurais peut-être dû déclarer la guerre à Moussillon en fait. On va voir si c'est encore possible. Je sais pas s'ils n'ont pas été détruits. The elves of Ulfwan have long memories. Ok. Peut-être qu'on va finir par confédérer. Defender of the Everqueen. Welcome, fellow Asser. What would you wish to discuss? I think not. On va essayer d'augmenter ça. Est-ce que là on peut le faire? Certainly not. Non. Du coup, Calédor. What brings you to the Phoenix Court? Toujours pas. You need me? Ça se détériore, et ça va chauffer, je pense. Ok. Je crois que c'est le moment. Voilà qui est intéressant. Valiant. The laws of chivalry demand I hear you. Ils sont en guerre contre qui? Ok. As you say. Ok. Bow before the rightful lords of the... Dommage. Champion of the lady. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Il fallait que je déclenche la guerre contre Moussillon avant qu'il soit détruit. Dark Adix, be still, Sylvaron. Let them speak. No evil doer may receive the blessings of the lady. Bon, bah non. On peut rien faire d'autre. Tant pis. Speak. Donc toi, tu dois revenir ici pour l'ordre public. Toi, tu vas arrêter de faire ça.
Tu vas venir ici. Ça c'est très bien. Ça c'est très 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 bien. Ok, on va essayer de revenir ici. Peut-être qu'on verra un trésor par ici. Ou alors c'est plus simple de retourner par là. Non, on va faire comme ça. Ok. Bon, toi, tu t'es installé. Toi, t'attends. Et toi, tu dois réintégrer l'armée de Tyrion. L'usure, non. Alors. Crasse, on peut rien faire. Ok. Ça commence à être stabilisé. Donc, je vais continuer ici. Alors, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait peut-être faire ça pour une fois. Parce que ça me permettrait... Ouais, mais non, il faut... Si je suis cohérent, il faudrait que je fasse ça quand même. Ok, donc ça, c'est bon. Cotique, on va augmenter nos revenus. Et là, je n'ai plus rien à dépenser. Allez, je passe le tour. Ok, ça continue les guerres avec les elfes sylvains. Le fléau de Khen a été détruit comme prévu. Speak. Your word shall reach the Phoenix throne, misguided. At your service. I will hear your petition and consider it. Ouais, Avelorn, ça va pas le faire. Hein. Eux, c'est encore pire. Moi aussi, on n'est toujours pas détruit. Lord of... Welcome to fair... Voilà. Ça, ça va bien finir par marcher quand même, non? Non. Bon. Bah, je laisse filer pour l'instant. Alors. Toi, t'es bien ici. On va regarder tout de suite nos bâtiments. Donc Crasse, on peut rien faire. Safery. Alors Safery, on peut augmenter. Avalorn aussi. Et Ivresse. Alors, Porte du Phénix. Ok. Non, on va rien consommer pour l'instant. Je vais utiliser des bâtiments ici militaires, ça c'est évident. Alors la tour machin, je vais l'augmenter. Et c'est déjà pas mal. Donc. J'avais dit que je passerais là. Ouais. On va y aller à terre, par la terre. Gemariel, t'es en train de remettre et tu aides à ce que le moral soit meilleur. Toi, tu vas rejoindre Tyrion. Et est-ce que là, on peut faire la bataille? Mais non. Elle est où ma quête, là?
Ok. Donc il y aura plusieurs renforts. Attention, il y a les maîtres des épées de haute qui arriveront. Donc, il va falloir qu'on soit rigoureux. Sunfang hungers. Donc Tyrion contre Amon. Ah, regardez, il y a des forêts qui ne me plaisent pas beaucoup, donc on va s'en éloigner, je pense. On veut pouvoir utiliser notre puissance de feu. Peut-être qu'on va essayer de placer notre cavalerie pour essayer de choper les serres d'aigle aussi. Sait-on jamais. Il se passe rien là. This is a sad day for Ulfwan. When Asyur fights Asyur within sight of the White Tower. Belkor Hadris would surely weep, as I will for the dead that I slay this day. But make no mistake, I will reap a toll. For my honor has been called into question. The offense must be sated. And only then shall I take up Sunfang to fight the true enemies of the Phoenix Throne. Ok. Eagle Claw, as you say. Je veux pas de zone de déploiement. Hein. On va se mettre comme ça. Ouais, on est loin. Allez, on va se déployer. Je comprends pas comment ça marche. Ah mais la bataille a commencé, mon dieu. Oh là là. Ok, il y a les renforts qui arrivent sur la gauche de la ville en fait. On va essayer de se choper. Là, il faut qu'ils avancent. Comment laisser ici? Ah, je crois qu'ils sont assez forts contre les archers, ces gars-là. De me faire mal. Allez, on va foncer dans le tas. Vous allez partir. Air of Anarian.
Prince Amon a tué là. On va aller charger là-bas, balissière d'aigle. Allez, allez. On va charger sur les côtés, ici, parce que visiblement ils nous attaqueront pas. On va tirer ici. Là, ils vont me chasser. Des balissières d'aigle, on va essayer de se les choper là. Vous l'avez toujours pas eu, Amon? Non. Ok, ok, ok. Pas si facile, hein. Je vais certainement perdre des unités dans le lot. Ça lâche, donc on va tirer ici. Je crois qu'on va ramener la cavalerie par ici, à moins que... Chopez-moi ces archers là. Eh oui, les maîtres des épées de Hoth, j'en veux absolument, évidemment. Ok, ça lâche un peu là. Amon est en train de lâcher. Allez, chargez-moi ça. Oui, vous allez les poursuivre, je voudrais pas qu'ils reviennent sur mes archers. Ah, je manque de vitesse. Hein. Allez, c'est terminé. J'ai peut-être perdu quelque chose. Ah non, ça devrait aller, je pense. Donc je devrais récupérer. Alors, je sais plus si c'est pour l'armure ou pour l'épée. Mais ça devrait être cool. 400 pertes hein, quand même. Donc, vous voyez mes serres d'aigle. Ma cavalerie a fait le job, évidemment. Hein. Mes archers n'ont pas tous été aussi efficaces d'ailleurs. Bon, de toute façon, il va falloir changer de niveau au niveau de mes armées, notamment au niveau des cacles. Hein. Les lanciers, il va falloir que je passe au maître de Hoth et au phénix quand je les aurai. La quête, s'il vous plaît. Into position. My strength grows. Kane a été détruite. Alors c'était son épée, c'est ça? Oh là là!
Regardez-moi ça. Juste magnifique. Juste magnifique. Donc, ça confirme que je n'ai rien perdu. Donc. Ça, c'est quoi? Ah ouais. Donc, plus 4 en commandement. Oh là là. L'ordre public moins 1. Est-ce que c'est... Alors, je vais regarder quand même le reste. Donc ça, c'est bien, effectivement, pour l'ordre public, les relations avec les elfes. Coût de recrutement, c'est bien. Bon, c'est très économique. Ici, je pense que c'est plus guerrier. Ouais, c'est très très bien. Ouais. Écoutez, on va faire la guerre, hein, de toute façon, donc on va faire ça. Ah. Donc. Bonus contre les unités larges. Alors, pour l'instant, je vais pas en rencontrer. Puissance des armes plus 10, c'est très bien. Bonus de charge. Point de vie plus 25%. Je vais prendre ça. Ok. Donc là, on est très bien. On va revenir par ici. Donc toi, t'as joué. Toi, tu ne bouges pas. Alors, on n'a pas énormément d'argent. Donc ici, on va, comme toujours, privilégier l'ordre public. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est pas mal du tout ici. Je vais juste faire un autre passage. Alors, on est en guerre, effectivement, contre Moussillon. Mais je vais pas leur donner de cible, du coup, mais... Alors, est-ce que ça va finir par marcher? Non. 147. Ah, quand j'ai relâché les troupes, ils ont pas aimé. Non, j'ai pas vraiment besoin de toi, mais si tu continues comme ça, ça va finir dans le sang. La Gascogne va mal, hein. Tiens donc. Je crois qu'ils sont en train de se faire démonter par... par les elfes sylvains. Ok. Mais au moins, on va faire un peu d'argent encore. Ok. Et ça continue à descendre. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir aller se battre. Ok, bon, dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite.